Deuxième partie de notre série consacrée à Wolfenstein Youngblood. Tout de suite, on va aller voir la dénommée Flore, qui est la personne qu'on a libérée dans l'épisode précédent. Alors, on peut la retrouver dans la partie réfectoire de la base, au bout des catacombes. Ah voilà, oh là, j'ai peur de la déranger. Hein. Merci beaucoup de m'avoir sauvé du labo X. Pourriez-vous aider ma grande amie Fifi Lacroix ? Elle a été capturée il y a un mois. Quand on m'a conduite au labo X, je l'ai vue dans une autre cellule, mais ils l'ont emmenée. Fifi était mon contact quand j'ai fui les nazis aux Pays-Bas. Elle compte beaucoup pour moi. Trouvez-la. Je vous en supplie. Achablift. Niveau 42, on est limite. Hein. Faudra que je fasse d'autres types de missions avant la prochaine fois. Alors, Fifi Lacroix, une vieille amie de Flore, est retenue prisonnière quelque part dans le Labo X. On devrait y aller essayer de la retrouver. Ben, on va retourner là-bas. Je pense qu'on va pouvoir profiter des accès qu'on a débloqués pour être près de... du lieu, ouais, voilà. On va retrouver le... le système de tabac journaux là qui sert d'ascenseur. J'espère ne pas me faire gauler parce que j'ai plus de camouflage là. Ah, gauler mais too late. Elles arrêtent pas toutes les deux. On va tout faire pour la trouver, Jeff. Mauvaise idée, Fred. Résistance, ces connards. L'avantage d'avoir upgradé toutes mes armes, c'est que maintenant c'est quasiment tout mal quand même. Hein. Même si mon petit chéri, c'est quand même le fusil à pompe. C'est là. J'en ai l'audio, mais non. Je m'occupe de celui-ci. Putain, super, c'est lui, hein. Il faut me faire chier quand j'avais cette arme en main. Sérieux, ça l'a pas tué? Délire. On se tire de là parce que l'objectif est pas ici. J'ai plus de... L'indicateur de mission des fois est biaisant. Hein. Pigé. Ça arrive, ça arrive. Double
blindé à chaque fois pas de mal. Le labo, c'est là qu'ils ont dû envoyer Fifi. Oui. Je confirme. Oh, elle est morte. Ah merde. Merde. Mais c'est quoi là-dedans, les nazis? Donner le document de recherche à Flora. Bon ben, on retourne déjà dans notre base. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Repartir dans l'autre sens? J'arrive. On va se les faire quand même, parce que c'est vraiment des enfoirés. Vraiment jouer avec le radar hein, dans le jeu. Ok. On va retourner d'où on vient. Parce que là, on peut pas retourner. Ouais. C'est quoi qui nous met impossible de. Ouais, il y a des ennemis, mais il y a personne là. Pas dans la bonne direction. Si on va rusher la sortie. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Par le haut, il y aura moins de monde. Ou pas. Je m'occupe de Suzy. Oh. Évite de crever, putain. Bon bah tant pis pour elle, ça nous coûtera un truc de vie, mais. Ça va aller, ça. Et si je me bats, ça va faire. Ouais, non, faut qu'il crève, hein, c'est chiant. Le retour dans l'action est prêt à tout, ça. Je sais que mon nom doit sembler curieux pour des Américaines, mais il se prononce comme ça, Flore. Je suis désolée, je ne trouve pas les mots. Merci d'avoir retrouvé la trace de mon ami. Ma très chère, tu es entre les mains du Seigneur. J'ai comme l'impression que ces crânes me regardent. Ouais, parce que t'as trop la partenaire disparu, terminé. Bon, visiblement, elle, la prochaine mission qu'elle a nous proposer nous demande un niveau qui est beaucoup trop élevé, c'est ce que je pensais. On va retourner voir des gens qu'on a déjà vu, par exemple. Ça va bien. Bonjour. Émetteur. Donc, nous avons l'intention d'envoyer une transmission longue fréquence pour avertir l'avant-poste de la résistance dans les Alpes, mais j'ai besoin du bon émetteur. S'il vous plaît. Rendez-vous dans notre station abandonnée, dans les égouts, sous la zone de détention politique numéro 4. Trouvez-y le bon transmetteur radio et rapportez-le. Bonne chance. Elra nous a demandé de trouver un émetteur radio dans l'un des avant-postes abandonnés des égouts situés sous la zone de détention politique numéro 4. Ah, j'ai le choix entre deux points d'entrée.
pas très loin. Alors là, c'est magique, quoi. J'ai l'impression que mon couteau a été arrêté par ma sœur. Sérieux, putain. Ce jeu est une blague, hein, sur la partie coop. Je pense que l'idée de base est géniale, mais alors, dans la réalisation, c'est... moins que les chiens puissent pas être peut-être touchés par le couteau. Et j'aurais pas été étonné, mais. Pas de soucis, je m'occupe de ce commandant nazi, Frangine. Ce salaud de nazi est déjà mort. Ouais. Peut-être pas se faire avoir à chaque fois quand même, hein. Non, c'est juste en dessous, il doit y avoir un. Oh. Merci, Jess. Je pense qu'il va falloir nettoyer un peu la zone. Trouver calmement l'accès à l'étage en dessous. Ah putain, mais à chaque fois je les vois pas, c'est le PD. De... Attends, c'est juste en dessous. Hein. Passé juste devant moi au moment de lancer la grenade, je me suis dit bah encore l'arrêter. Il semblait qu'il y en avait une autre grosse arme. On pique les munes. Oups. Je pense plutôt qu'il faut grimper là. Dans le noir. Pareil, hein, j'ai amélioré mon... tout ce qui est lié à la furtivité de mon personnage dans le pouvoir ici. C'est quand même ultra pratique et surtout super sympa. Enfin moi j'adore le stealth et j'étais un peu frustré dans la première partie du jeu. Pouvoir en profiter comme dans le 1 où il y avait quand même la part belle à chaque fois. À tenter l'approche furtive. Il en reste un. C'est génial, j'adore. Ah, j'aurais aimé me le faire
Soit vraiment par devant ou par derrière quand il tue tous ses potes avant. Les jumelles mortelles sont-elles folles? Qu'est-ce qui peut leur prendre de croire ça? Acquisition de l'émetteur de Panda, très cher. Alors, par où on peut partir? Visiblement, il y a quelque chose par là. Est-ce que si je descends, c'est une connerie? Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt par là quand même. Hein. Ouais. Peut-être que l'unité de retour. Pour tourner aux catacombes direct. Tous les accès sont ouverts. Penda. Pour moi. Parfait. C'est bien l'émetteur qui nous manquait. Merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Et visiblement, avec Penda, on a terminé. On a fait toute l'émission avec elle. Alors, de retour au bar, à l'étage au-dessus, on avait, pareil, on avait fait quelques missions pour Gemma. Vous voyez les plateformes d'atterrissage au sommet de Frère 2. C'est à cet endroit que les nazis ont installé les stations de ravitaillement de leurs dirigeables à Paris, d'accord? Là, vous montez, détruisez les réservoirs de carburant, puis désactivez les pompes. Bonne chance à vous, les filles. Sabotage de... J'ai foi en vous. C'est plein. Moi aussi j'ai foi en moi. Alors, Gemma nous a dit que les nazis ont installé les stations de ravitaillement de leur armada de dirigeables au sommet de Frère 2. On doit y monter, détruire les réservoirs de carburant pour désactiver les pompes. Frère 2, côté nord ou côté sud? Moi je prendrais bien celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'air d'être plus près du centre. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas déverrouillé une ligne de métro là, c'est dommage. Je sens que cette mission va me plaire, tout faire péter. Allez. Bien, c'est que ça consomme plus notre jauge quand on ne bouge plus. Et pendant qu'on réapparaît, en plus la jauge remonte super vite, donc c'est ultra pratique. C'est vraiment ce qu'il faut déverrouiller si on veut faire le jeu en stealth. Hein. Clairement. Oh. Sérieusement. C'est pas grave, on a tué un peu de monde. Voilà. On va pas rester là, hein. On traverse. C'est sympa si on pouvait. Frère 2 est derrière cette grosse porte. Bien sûr. Oh putain. Cette grosse porte est de gros monstre. Putain. C'est du bordel là. Je sais pas si elle va s'en sortir la sœurette hein. Peut-être sur les profils.
robot. Putain, mais mets-toi pas, quoi. L'enfoiré, c'est juste mis là où je peux pas le... Ouais, bah là, je vais pas tarder à crever aussi. Putain... Allez. Oh, mais sérieux, quoi. Pourquoi il y a un angle à la tête? On va se mettre le laser. Ok, il y a un système d'ouverture. Là on a quoi là? Putain, je crois que c'était le laser. Au moins que ça vaut le coup parce que ça m'aura bien touché cette affaire d'Alfred. Alors nous avons déposé deux caisses de la Gestapo au sein de la zone de détention politique numéro 4. L'une d'entre elles est dans un container. On donne un premier code, il y en avait une autre dans l'un des containers, nous pensons qu'elle a été volée par les terroristes. Si vous la localisez, le code est 1983. Ok. Allez, on se tire de là. Direction l'objectif. Ah, il y a une bouche de métro, on la voit là, celle qui est bloquée, celle qu'il faut que je débloque pour que la prochaine fois ce soit plus simple. Vous pouvez utiliser l'ascenseur du dépôt du Silverfish pour accéder au sommet de la tour. Ça c'est le côté quand même sympa dans le jeu, c'est qu'on découvre toujours des zones qu'on n'a jamais vues. Ça c'est cool. Hein. Des lunettes 3D. C'est des putains de tourelles que je déteste en plus. Le fameux accès de métro qui me manquait pour pouvoir commencer directement ici. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Alors pareil, j'ai déverrouillé une amélioration qui me permet d'avoir jusqu'à 6 couteaux de lancer maintenant. Ah, il m'entend arriver, mais bien trop tard. C'est tous mes couteaux. Pas bien ce que j'ai fait là. Un petit tour. Ça
C'est ce que je déteste le plus. Putain. Oh la loose, hein. Toujours dangereusement, c'est quand même. Ah 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 ah. Je crois que c'est de l'autre côté, hein, faut aller, mais... Comme une porte d'accès... Merde! J'ai rien fait! C'est rail ambulant, hein. Oh, je me souviens de cet endroit. C'est un geste d'une tueuse. Mon endroit préféré, hein. Putain, les drones. Putain. Ça et les tourelles. Pire salopou du jeu. Putain, mais laisse-moi passer, bordel. Ah, le connard. Ouais, bon. Petit tour d'ascenseur. C'est pas là qu'est la station de ravitaillement ? Si, je crois. Là, on avait affronté un putain de boss. Ah, si, 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 si. Oh là là! Ok. Bon. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un endroit comme ça pour pouvoir monter. Ah, et puis il y en a quelques-uns.
T'as la délimitation, crée un peu, ils auraient pu faire un truc pseudo-éloigné. Ok. Est-ce qu'il y a des mecs qui traînassent là? Si j'utilise ça, est-ce que ça marche bien? Est-ce que un va suffire ou pas? Je me tiens où? Qu'est-ce qui est le moins dangereux? Joli. Je vais les avoir rendus un peu vénères là. Oups, il est là, méga mastodon. Oh bordel! Ça m'occupe toi du robot qui est à droite, ça va être un. Merde! C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Toujours une petite satisfaction de les exploser, c'est vrai, saloté. Foiré. J'ai eu la première. Bien joué. Ah, qui traînasse là. Deuxième pompe. Boum! La statue est partie en fumée. Tournez voir Jim. T'es peut-être bien parti au final. Hein. Voilà, et c'est ici. Gemma, donc la fille du bar. Petite armerie.
du nouveau. Grâce à vous, toute l'armada parisienne de dirigeables est au sol. C'est bien joué, les filles. Son de sabotage, je vais pas terminer.